Salut, cette semaine dans France Bleu, France 3 Matin, j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter une franc-comtoise formidable. Francine, 103 ans, fervente supportrice du FC Sochaux-Montbéliard, elle a assisté en 1931 à l'inauguration du stade de La Forge qui deviendra en 1945 le stade Bonal, elle n'avait que 13 ans. Francine également inconditionnelle d'Hervé Blanchard qui, vous le savez, commente les matchs de foot sur notre antenne. Regardez cet extrait. Qu'est-ce qui vous plaît sur France Bleu, Francine ? Des matchs de football. Avec Hervé Blanchard. Avec Hervé Blanchard, j'adore Hervé Blanchard. Alors, on a décidé avec Hervé Blanchard et avec le staff du FC Sochaux-Montbéliard de faire une double surprise à Francine. Regardez. Je suis avec Hervé Blanchard et nous allons rendre une petite visite à Francine. Bonjour Hervé. Bonjour Stéphane. On lui rend visite dans son appartement. Nous sommes à la Petite Hollande, à Montbéliard. On y va Hervé. C'est parti. Bonjour Francine. Bonjour. Est-ce que vous me reconnaissez à la voix ? Comment ? Est-ce que vous me reconnaissez à la voix ? Ben, c'est peut-être Hervé. Ah ! C'est Hervé ! Alors, je vais arrêter mon portable. Vous avez gagné, c'est moi. Ah. Et je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Parce que j'ai cru comprendre, madame... Je vous appelle Francine. J'ai cru comprendre que vous étiez fan de Sochaux. Oui. Et fan d'Hervé Blanchard, c'est ça ? C'est ça. Alors, je dois vous avouer que quand j'ai découvert l'interview avec Stéphane Vaux, ça m'a fait quelque chose, ça m'a vraiment touché. Parce que de vous entendre dire que quand vous écoutez les matchs, vous adorez ma façon de commenter, vous adorez ma voix. C'est vrai. Eh bien, je vous assure que ça m'a fait monter les larmes parce que c'est... certainement l'un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Et je vous le dis très sincèrement. C'est sincère. Oh, mais à votre voix, j'ai bien compris que c'était sincère. Il n'y a pas eu de souci. Et ben voilà, on a des fois des supporters qui apprécient. Ce que j'aime bien, c'est quand il faut répéter de nouveau. Francine, j'ai le plaisir de vous présenter Gaëtan Weisbeck, le capitaine du FC Sochaux-Montbéliard, qui vient vous voir, Francine. Bon. Bonjour. Oh mon Dieu. Il y a un petit cadeau pour vous. Bonjour. Bonjour, un maillot du club. C'est... De la part de tous les joueurs, tout le staff. Comment ? De la part de tous les joueurs et de tout le staff. Oh, mais c'est gentil. J'ai le plaisir de vous offrir ce maillot. Donc voilà, c'est pour vous. Eh bien, le capitaine de ce show. Je vous pose ça là. Vous vous rendez compte quand même ? Oh oh ! Et ses personnalités. C'est un grand honneur pour moi. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. On est très fiers de vous remettre ce maillot. Le dernier match, c'était bien, 2-0. Il faut continuer, on va continuer ainsi. Alors samedi, c'est... Contre Nancy. Contre Nancy, oui. Un pronostic, Francine ? Comment ? Un pronostic pour le match ? Peut-être 2-0.